Oula. Bonjour à tous les amis, ici le général des mille essais et aujourd'hui les amis, on va s'occuper de notre hydromel dans notre dernière vidéo. Voilà, comme si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait de l'hydromel, du vrai hydromel. Et là, bah, on va y goûter, voilà, on va un petit peu filtrer l'hydromel, hein, parce qu'il y a souvent des trucs au fond. Et voilà. Bien sûr, vous serez peut-être étonnés parce que cette vidéo est assez rapidement. Parce que dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il faudra minimum un mois pour faire un bon hydromel, pour avoir vraiment un peu du goût. Ça fait un mois, mais le problème, c'est que j'avais fait la vidéo quand j'ai fait les trucs, mais après ben j'ai complètement oublié la vidéo que vous avez fait quand j'ai fait les drames, je l'avais complètement oublié. Après après à peu près un mois, je me suis dit mais attends, j'avais fait une vidéo hydromel, et en regardant moi je dis ah bah oui zut. C'est pour ça que voilà, j'avais oublié, c'est pour ça que j'ai fait vite au mental que je l'ai posté, voilà, parce que ce que je voulais, c'était attendre quelques jours pour voir si la fermentation de l'hydromel marchait bien avant que je fasse le montage et que je poste la vidéo. Mais comme vous m'en doutez, bah, je l'avais complètement oublié. Bref les amis, on va s'occuper de notre hydromel. Je vais aller récupérer parce que c'est dans un coin. Voilà. Bon, comme vous voyez, bah, il y a un deuxième. Et oui, là on a notre premier avec notre hydromel. Et il y a un deuxième, parce que si vous vous souvenez dans la vidéo, bah, je crois qu'à un moment, j'avais dit que j'en avais fait un peu trop. Et il me restait un peu d'eau, j'ai mis un peu d'eau, bref, voilà. Et j'ai vu ce qui me restait, et j'ai fait ça. Le seul souci, bah, j'avais pas d'un deuxième borbotteur comme ça. Celui-là. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tester en mettre un mouchoir. Et bah, vous serez bien étonnés, bah, apparemment, ça a marché. La fermentation a l'air de bien marcher. Au début, j'ai vu quelques bulles, mais après, il n'y avait pas trop de bulles. Mais là, je sais pas si ça se voit, mais il y avait toutes des bulles. Voilà, c'est-à-dire que celui-là, je suis sûr que la fermentation a bien marché. Celui-là, je ne sais pas. Après, si je sens un peu, ça sent un petit peu l'hydromel, voilà. Mais voilà, pour celui-là, j'ai un peu peur que ça n'a pas trop bien marché. Mais sur ça, on va tester, on va voir s'il n'y a pas de la moisissure, si on va goûter. Voilà, bref, mais celui-là, je pense qu'on va le goûter à la fin de la vidéo, c'est pour ça qu'on va le mettre de côté. Et on va mettre celui-là. Bon, après, je vais quand même. On va tout ce truc-là, donc bref, on va un petit peu les trucs. Attendez, on va mettre. Hop, je vais mettre la caméra comme ça, hop. Bon, là, vous ne me voyez plus. Mais voilà. Voilà, on met ceci parce qu'on va filtrer un petit peu avec ceci, un genre de filtreur. Voilà. Avant, on va. Allez, on va un petit peu. On va un petit peu. Hop. L'enlever. Hop. Ça sent un petit peu. Hydromel, ça sent un petit peu. Une boisson alcoolisée, voilà. Bon, le lot, on va, hop, on enlève, voilà, tac, voilà, un coup, ça là, et maintenant, on va filtrer tout ça, tac. Bon, déjà, elle a une belle couleur, déjà, elle a une très belle couleur, un petit peu jaune, hein, vous m'en doutez. Voilà. Ouh. Oh, regardez là, il y a un peu de mousse qui a un peu coulé. Oula. Oula. Ouais, je crois que c'était mieux de faire vraiment doucement. Bon, déjà, s'il y a de la mousse, ça a bien marché. La fermentation a bien marché. Oula là. Attendez, parce que là, je vous l'avoue que c'est. J'ai un peu essuyé parce que voilà. J'ai envie de goûter, mais on va goûter hors caméra. Hop, on va fermer le bouchon.
Hop. Tac, voilà. Voilà, comme ça, on laisse un petit peu reposer un petit peu. Hop, voilà. Cette bouteille-là, bah, faudra que je la lave. Hop, je vais mettre de côté. Et maintenant, on va mettre l'autre avec un mouchoir dans cette bouteille-là. Parce que j'ai pas d'autre bouteille avec un truc exprès pour bien fermer. J'ai qu'un vieux truc en bouteille. Mais voilà. Hop, on va. J'ai mis un élastique dessus. Mouchoir, bah, je mettrai la cive. Au début, il avait une odeur, mais là. Bah, déjà, il n'y a pas de moisissure dedans. Déjà, il n'y a pas de moisissure dedans. Déjà, c'est déjà une très bonne chose. Allez, hop. Tac, voilà. Bon, là, je mets assis, hein. Parce que vous voyez, comme je disais, si vous voyez, bah, il y a un petit peu de résidu. C'est sûrement un petit peu le reste un peu de levure, on suppose. Ou alors le reste de miel, hein, parce que peut-être que j'ai mis aussi beaucoup de miel. Parce que c'est ma technique, pour boire, pour faire du bon hydromel, il faut mettre pas mal de miel. Voilà. Pour vraiment avoir le vrai goût du miel. Voyons la couleur. Ah, déjà, il y a de la mousse. C'est-à-dire que c'est très bien. Bon, celui-là, pas trop. Celui-là, il n'y a pas trop une odeur. Je crois que c'était l'autre, il y avait plus une odeur. Bref, les amis, maintenant, on va déguster, voir si ça a bien marché. Voilà, les amis. Je prends un verre comme ça pour discuter, pour goûter. C'est intéressant. On va d'abord goûter celui-là et après celui-là. Celui-là, on va mettre là. Voilà. Bon. Hop. Ça se mérite, hein, l'hydromel. Bon, celui-là, on a plus le goût. Hein, on sent plus le truc. Que celui-là, il n'a pas trop une odeur, mais voilà. Bon. Allez. Pas trop non plus, parce que bon, faut pas. Pas que ce soit bourré non plus. Il a une belle couleur. Mais franchement, voilà. Bien sûr, comme je vais le redire, mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus alcoolisé, si vous voulez, si vous aimez l'hydromel un peu alcoolisé, il faudra attendre encore un mois en plus, ou plusieurs mois, voilà. Bref, allez, je vous goûte. Skol. Ouais. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est très très bon. Voilà. Ouais, c'est délicieux en vrai. On a vraiment le goût un peu de miel. On sent un petit peu le goût un petit peu du miel, mais un petit peu aussi l'alcoolisé. Vous voyez le goût un petit peu. On sent que c'est alcoolisé. Là, c'est pas trop. Ouais, c'est super bon. Je pense qu'elle sera encore meilleure quand ça sera frais. Parce que je trouve qu'une bonne bière frais ou un bon hydromel frais, c'est encore mieux. Mais voilà. Bref, maintenant on va goûter celui-là avec le mouchoir, voir si c'est bon. Je sais pas si c'est bon ou pas. Parce que bon, avec un mouchoir, voilà. Voilà, pas trop non plus. Faut que je me rende malade non plus, hein. Bref. Bon. Bon, rare, celui-là ou celui-là, une bonne couleur. J'ai l'impression que je suis en train de goûter du vin. Mais non, c'est pas du vin, c'est l'hydromel. Oh, venez ça. On sent vraiment que ça fermentait le truc, hein. L'odeur que l'hydromel a fermenté. Allez, skol. Ouf. Ouf. Ouf, ouais. Ah, ouais.
Ça se voit que celui-là. Ah, je sais pas. Non. Ah, il est dégueulasse. Ah. Bah. Non, il est pas bon. Non, il est pas bon. Non, celui-là. Non, celui-là, il est pas bon. D'accord. Ah non, celui-là, en vrai, il est pas bon. En vrai, j'aime pas. En vrai, celui-là, j'aime pas trop. Celui-là, j'aime pas trop. Bah, je pense pas qu'il ait raté. Je pense que si j'avais encore acheté peut-être sûrement du miel, parce que ce que j'ai fait, il est resté quand même un peu, mais j'ai continué à remettre de l'eau dans une bouteille. Et je pense que c'est ça, je pense que voilà. Mais je pense pas que je vais garder ça, parce qu'en vrai, c'est... Ouais, j'aime pas. Voilà. Ah, c'est pas bon, c'est... Ah, c'est dégueulasse. Berk, berk. Bon, voilà, c'était pour retester. Je pense que c'est mieux sur un fermenteur comme ça, ou alors avec le tuyau, là, que pour le gros, là, mais je pense que voilà. Avec un mouchoir, je vous conseille éviter, parce que je sais pas si c'est à cause du mouchoir qu'a ça a rendu le truc mauvais, mais... Moi, au début, j'ai goûté un peu, je me dis, après j'ai regoûté, bah, non. Je trouve que celui-là, je l'ai raté, hein, voilà. C'était pour retester, hein, mais voilà. Mais celui-là, je l'ai réussi, mais voilà. Bref, les amis, voilà. Attends, je vais me resservir un coup. Attends. Comme me regoûter un peu, quand même. Ouais, non, celui-là, ouais, celui-là, il est meilleur. Franchement, celui-là, il est meilleur. Ouais, franchement, ouais, il est meilleur, celui-là. Franchement, celui-là, il est très, très bon. Bref, les amis, voilà. Voilà, c'était pour voilà, une petite vidéo de l'hydromel, voilà. Je pense que j'en referai. Voilà, quand j'habiterai un jour dans ma future maison, je pense que je ferai un gros truc, un gros pot d'hydromel. Mais bref, les amis, voilà, si cette vidéo vous a plu, de lâcher un bon gros pouce bleu, de vous abonner, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao les miliciens!